Bonjour chers frères Mike et Yann Junior. Bonjour chers Dagui. Ce matin, on vous rend visite. Hein. Yes. Yes. Donc, on va vous permettre de prendre un petit café. Oui, donc, prenez un petit café. Vous rafraîchir un peu. Merci, voilà. Merci beaucoup. C'est une chance d'avoir un petit café au ce studio. Hein, voilà. Oui, ouais. Oui. Pour commencer la journée. Voilà, commencer la journée. Voilà. Siroter, parce que on va parler. Voilà. Ce café, j'ai nommé un café américain. Ok, c'est spécial. Oui. C'est un café américain. Voilà. Yann. Ok. Donc, bonne arrivée. Merci. Pour aborder dans le même sens que le jeune frère Yann a dit, un café américain. Un café américain, oui. Donc, on va parler du studio plasticien. Oui. C'est vrai que ce studio est implanté à Sipin. C'est un studio américain. On est d'accord là-dessus? Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, un studio américain. Parce que tous les appareils viennent des États-Unis. Les États-Unis, oui, les quatre coins du monde. Voilà. Comment les appareils sont arrivés ici? On peut parler de ça un peu? Oui, d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être à votre compagnie ce matin, ce plateau. Et saluer le peuple du chemin du ciel au passage, la diaspora au passage, tous mes musiciens du groupe Onction Suprême au passage. Voilà, donc, le studio Prestigiel s'est doté de l'appareil de pointe de dernière génération venue des quatre coins du monde. Voilà. Nous savons tous que le Dieu Papa Florian, le Papa Florian est un homme de qualité. Était un homme de qualité. Et il a un ministère de qualité, le haut niveau, le ministère Chemin du Ciel. Alors, cet homme de Dieu fanatique de musique, fanatique de live, s'est procuré ces appareils-là de dernière génération pour monter un studio prestigieux, appelé Studio Prestigiel, 6 Abidjan, Pobo et Sipim, qui nous donne vraiment un cadre spacieux, un cadre prestigieux, un cadre classique pour accueillir les enfants de Dieu qui veulent bien sûr confectionner des albums en live avec un son surtout en live avec un son vraiment extraordinaire. Voilà. Donc vous qui tenez le café américain, Yann, voilà, vous qui avez fait déjà une émission déjà, qui avez fait des boîtes à rythme, les programmations avec le live aujourd'hui, vous en sortez. Hein? Oui, bien sûr. Je m'en sors avec l'aide de Dieu, de Papa Florian. On essaye de travailler un peu. Je sais que l'album qui arrive, c'est un album extraordinaire. Donc on va procéder un peu. Donc vous êtes en studio, vous êtes en train de préparer un album en live. C'est 100% live. Avec Mike Niro, on essaye de donner le mieux. D'accord. Vous parlez de Niro, Mike. Bon, on dit un studio américain. On n'a pas un arrangeur américain. On est arrangeur de la Côte d'Ivoire, un jeune arrangeur pétri de talent. Qui s'en compte. Comment ils s'en sortent avec ces appareils de première génération? Vraiment, merci beaucoup, Maître Dagui. Merci pour cette question. Alors, voici un jeune homme que j'ai connu au moment où, le père faisait encore les prières sur les différents bâches. Voilà, c'est là que j'ai connu ce jeune. Un jeune vraiment talentueux, un jeune humble, qui aime beaucoup le travail. Et avant même qu'on se croise d'abord sur les bâches, je l'ai connu d'abord au studio Yeti, c'est pas à Vridi. Pour dire que l'album a été confectionné. Voilà. Voici un jeune talentueux que j'ai croisé, vraiment humble, qui aime le travail, qui aime tout ce qui est bien fait. Et c'est parti. Là, il a commencé à couper. Nero et Delon s'est retrouvé l'autre côté sous les bâches. Et voici un jeune qui n'a pas fait de formation. Il n'a pas fait d'école de musique. En tout cas, moi, à ma connaissance, il n'a pas fait école de musique. Pas d'école de musique. Il n'a pas fait de formation nulle part, il ne sait pas. Mais bizarrement, qui s'en sort avec tous ces consoles de dernière génération, toutes ces consoles numériques. Franchement, c'est un don. Et c'est là, c'est en larmes, c'est ça part de là que moi j'ai commencé à comprendre que on vient tous au monde quand même avec 1% de talent, je crois bien. Voilà. Des dons. Maintenant, je pense bien que le reste, c'est le travail. Voilà, à force de bosser, et tu fais ressortir ce don-là.
Et c'est avec ce jeune-là que j'ai compris cette philosophie-là. Mais quand vous dites qu'un jeune humble qui aime le travail, oui. souvent il bosse parce que. Souvent il est chaud. Il est chaud, oui, en fait il est chaud. Tout dans le travail. Il aime le travail. Voilà, il fait qu'il est toujours chaud. Et puis, moi, ce qui m'étonne sur ce jeune homme-là, c'est que le plus souvent, on peut finir la prière le samedi. Et puis, pendant que nous, on a fini, tout fatigué avec le live, tout ça, on rentre. Mais il perd son studio jusqu'à 21h, en train de bosser sur les différents sons, en train d'essayer de comprendre la machine qui est venue, comment rentrer, comment sortir. Vous voyez un peu, par exemple, le plus souvent, les différents mixeurs qui viennent là, tout est en anglais. Des fois, tout en allemand. Des fois, tout en espagnol. Bon, quelqu'un qui n'a pas fait de formation, comment il arrive à s'en sortir? Si ce n'est pas un don, si ce n'est pas coaché par les anges du Dieu, pas fou, c'est pas évident. Véritablement, ça c'est. Voilà, il a ça dans le sang. Il a déjà. C'est inné en lui. C'est inné. Voilà, il a ça dans le sang. Le Dieu ne fait pas fou. Coach, développe ça. Arrose ça un peu plus. Voilà, plus vraiment, Néo. Néo 7. Et des saluts. Donc, ton but, vous entendez parler de. Ce n'est pas un arrangeur de renom. Et vous rentrez dans ce studio pour faire votre album en live. Quand vous croisez cet arrangeur, vos impressions. Bon, est-ce déjà, que vous avez tiqué? Est-ce qu'il pourra faire? Est-ce que. Voilà. Non, il n'est pas tiqué même. Oui. Parce que le calme, il est déjà chaud. Oui. Tu viens, tu vois, il est déjà chaud. Toi-même, là, c'est toi le courage. Il vit sa chose. Il vit sa chose. Ouais. Donc, l'énergie qu'il a, il donne à tout le monde. Voilà. Donc, ça donne la force. Ouais, ça donne la force. C'est ça. De pouvoir chanter. Ça, je te l'accorde. L'énergie qu'il a, il a tout le monde. Et tout de suite. C'est que si vous êtes dans un milieu que tout le monde est timide, que vous avez quelqu'un si Seigneur est là, tout vous est venu. Vous tous allez bouger, c'est comme ça, Nero. C'est comme ça, Nero. Voilà. Donc, vous êtes en confession de nouveaux sons. Oui. C'est-à-dire que on a commencé, prenons par étapes, hein. C'est oui. Comme les premiers sons, c'était des sons de Gonzac, on s'est déplacé un peu à Nancy, Makori. Aujourd'hui on s'en va à Cocody. Actuellement le son qui va sortir, c'est le son de Cocody. Cocody, voilà. Donc expliquez-nous un peu. Bon, voilà. Encore merci Maître Dagui. Alors, il y a eu d'abord une première vague de sons. Qui sont consommables. Il vit toujours. Voilà, donc c'est ce qui était consommable, mais avec un premier type d'appareil qu'on avait reçu. C'est quoi le militaire, c'est tout comme ça. Disons Gonzague, c'est trop petit. Voilà, donc avec un type d'appareil. Or, comme vous le savez, nous savons tous, le Dieu Pas Florian est un Dieu qui grave à chaque fois les échelons. Voilà, donc il y avait un premier type d'appareil. Et par la suite, comme le Dieu Pas Florian n'aime pas donner la médiocrité à son Dieu, il a encore passé encore une commande d'un deuxième type d'appareil qui sont arrivés. Donc on a déménagé. De là, maintenant, de Pogwe, on s'est retrouvé. Makori. Voilà, Makori. Makori zone 4, par exemple. Ah. On avance un peu. Bien plus zone 4, voilà. Donc, avec cette nouvelle vague de sons, nouvelle vague d'appareils qui sont arrivés, on est rentré encore en studio pour essayer de parfaire encore les sons. Et on a ressorti encore quelque chose d'encore plus gros, mais avec beaucoup de décibels. Le son est lourd, mais le son n'agressait pas. Le son était intéressant, tu peux augmenter ton master, augmenter ton volume. Mais ce genre de son là, tu peux mettre ton écouteur écouter jusqu'à jamais. À jamais sans souci. Que l'oreille ne chauffe, sans que. Voilà, tant que tu as problème avec au niveau de l'oreille. Voilà. Un peu. Donc, avec cette nouvelle type d'appareil, on a encore retravaillé. Toujours avec le Dieu Pas Florian, toujours avec Papa Florian même à la tour de contrôle. Hein. Toujours le travail. Voilà. Donc il y a cette deuxième vague de sons qui sont sortis, toujours consommables. Et par la suite, actuellement, il y a une troisième vague de sons qui sont sortis avec encore un autre type d'appareil que l'on peut encore commencer, commander. Voilà. Et là encore, on s'est retrouvé maintenant cette fois-ci à Cocody. Mais là, Cocody, c'est vrai, il y a Cocody. Et puis dis-moi, tu vis où? Je vis à Cocody maintenant, parce que Cocody, mais il y a quatre côtés de Cocody. Ouais. Voilà. Donc, dans le travail, en gros, actuellement, on a un certain niveau de son
où d'abord ça se sent à l'écoute. Voilà, à l'écoute, c'est-à-dire tu prends le son, tu commences à écouter le son, tu vas sentir d'abord le côté voice, le côté vocal. Tu vas voir une certaine différence. C'est-à-dire que le lead vocal et les chœurs vont ensemble, mais le lead vocal se démarque légèrement. Et les chœurs sont propres, avec beaucoup de discipline et intéressants à entendre. Ça, c'est la dernière vague d'appareil qu'on a reçue là, qui nous a permis d'avoir ce type de son. Maintenant, par la suite, en écoutant l'instrumentiste, tu pourras déceler chaque instrumentiste intervenant dans chaque différent morceau. Voilà. Donc, voilà un peu, en gros, maintenant, qu'on doit parler, mais on doit passer peut-être au côté écoute dans l'ensemble. Ça ne te dérange pas, ça ne gêne pas, tu peux prier avec, tu peux écouter ça à longueur de journée, à tout moment. Et même, tu peux augmenter, tu as des haut-parleurs, tu peux augmenter le son et même te coucher à côté, sans souci. D'accord. Donc, c'est le tour de notre café. Merci. Parce que, vraiment, le son aujourd'hui, c'est des sons de qualité. Quand vous parlez de l'écoute, pour différencier la position, vous qui n'êtes pas en studio, vous savez que le pianiste était à gauche, le bassiste était à droite dans le studio. Oui. Donc c'est ça qui est la qualité du son stéréo. Stéréo. Donc aujourd'hui, le son est stéréo. Donc c'est très bon à écouter. C'est très bon. Donc celui qui écoute. Oui. Auparavant, c'était un peu. C'était agréable. Oui. On pouvait écouter. C'était consommable, c'était bon. Mais c'était un peu. Ça, si tu n'as pas un appareil de qualité, par exemple, pour écouter le son, tu as du mal à déceler les chœurs, la voix lead, les différentes. Par exemple, moi je suis pianiste. Par exemple, je prends le son et il y a un son qui me plaît tant que je veux faire un copyright, par exemple. Maintenant, moi j'essaie maintenant d'écouter. Il y a eu combien de pianos intervenants, s'il y a eu deux pianos, s'il y a eu trois pianos. Maintenant, comment déceler les différents types de sons que le pianiste en question a utilisé pour faire sa mélodie. Là encore, c'est un peu complexe. Voilà, mais actuellement, au niveau où nous sommes actuellement, c'est facile pour toi d'écouter le guitariste. Par exemple, il y a les fans de guitare, il y a les fans de guitare solo, il y a les fans de guitare basse, il y a les fans de. Des touches, par exemple, des mélodies pour créer aussi pour lui. Voilà. Et répandre ces sons-là. Voilà, par exemple, je suis fan des trompettes. Donc, tout de suite, quand j'écoute, tout de suite, j'entends la trompette. C'est facile pour moi de me concentrer sur la trompette, c'est facile pour moi de me concentrer sur les chœurs, c'est facile pour moi de me concentrer sur les voix. Par exemple tu prends le son, tu veux faire ta prière à la maison. C'est facile pour toi de te concentrer sur le leader vocal, les paroles, la chanson qui passe pour pouvoir adresser ta prière au Dieu du Père Florian. Voilà. Parce que, toutes les chansons sont des prières. C'est des prières. Donc, c'est des prières. Écouter ces chansons-là et puis prier aussi. Prier avec. Donc, merci d'être passé. Merci. Est-ce qu'on a quelque chose à dire encore? Bien sûr. Pour que ces sons-là qui vont sortir très bientôt, les gens puissent les prendre. Oui, bon. D'abord, je dis un grand merci au service de communication pour tout le travail qu'ils abattent, tout le travail qu'ils font pour nous, pour le ministère Chemin du Ciel. Alors, il y a une première vague de son, une deuxième vague de son. La deuxième vague de son, ça va être un type de l'appareil de génération pour nous avoir confectionné les sons. Voilà, donc, la deuxième vague de son, c'est un travail, ça a été un travail, c'était à peu près les mêmes sons, mais il y a eu un plus. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a eu un plus. Alors, si vous avez besoin de ces vagues de son, on ne vous demande pas grand chose. C'est juste une petite offrande. Et puis, on vous redonne ces différents sons-là, mais avec une autre vision. Voilà, une autre vision. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que tu as dit, moi, je n'entends pas bien le cœur là. Mais cette fois-ci, avec le travail que Papa Florian a battu sur ces différents sons-là, ce sera facile pour tout le monde. Ce sera facile à l'écoute pour tout le monde. Maintenant, pour la série de sons que le père lui-même, qui a la tour de contrôle actuellement, où je vous parle actuellement, il est au studio, en train de travailler sur les différents sons, parce qu'il faut surtout le cacher de son Dieu pour qu'il puisse mettre ces différents sons à votre disposition. Alors, pour cette vague de sons qui va sortir, là, une offrande volontaire
Mais c'est le Dieu pas Florian, c'est un Dieu de qualité. Donc tu sais ce que tu as fait. Quoi, une bonne offrande. Ouais. Hein, et puis laissons à vous. Laissons le Dieu pas Florian, la mission du pas Florian va vous suivre dans vos entreprises, dans vos maisons, pour cette année 2021 qui vient de commencer. Donc merci bien d'être passé nous rendre visite, le frère Yann et puis Mike. Merci. On attend la sortie de cette nouvelle vague de son. Et chers fidèles d'ici et d'ailleurs, vous connaissez ceux qui connaissent un peu la musique, vous connaissez, on vous a montré le studio, on vous a montré un peu le travail qui est fait dans ce studio-là. Quand on dit offrande volontaire. C'est volontaire. Mais voyez aussi comment un CD, les confessionnaux dans ce studio en live, pour que ce soit vraiment volontaire. Volontaire. Voilà. Que le Dieu de Papa Florent vous bénisse. Amen.